Ça y est, merci, je Tu viens de lancer. Merci à ne toi, sais pas sur FunFan. quoi Ça ça y est, m'emmène. Non, merci, non, je viens de merci à toi de lancer. m'avoir Merci à dit. toi, Faut que je fasse un FunFan. remerciement. Merci Merci à à toi, Youtiné. FunFan. Faut que je fasse un remerciement. Merci à Pop Eri Pop, hein, Merci qui à m'a bien Pop aidé. Merci Eri au Pop baron qui aussi qui a m'a estimé le bien aidé. commodéré Merci qui au a fait un baron aussi qui a passage avec estimé une le boîte au bateau. commodéré qui a fait un Merci à passage avec une Twinsail boîte au bateau. et Ndael de Merci à cette Twinsail. d'avoir Et Ndael de s'être de s'être réabonné. d'avoir merci à Ndael qui est très De s'être gentil. réabonné. Merci à Ndael qui est très Nous, gentil. nous allons chez le sage de Nancy quand Nous je te allons verrai chez le connecté. sage de Nancy quand je te verrai Ah ça y est, je connecté. te vois connecté. Ah ça y est, On je arrive te au vois galop. connecté. On arrive au galop. Quoi ici? C'est quoi ici? Alors. Ah. Voilà, Ah, tu moi je lance refais Arx le Fatalis. jeu. Ah, tu refais Voilà, moi je lance Arx Fatalis. le Dark Souls année 2000, quoi. Le Dark Souls. Non, pas Dark. Si tu veux, oui, on peut le voir comme pas... ça. Pas Dark Souls. Comme ça, je Ah! vois ce jeu. Gaucher Un peu comme toi! ça, je vois ce jeu. Gauche. Ok. Non, bah merci. Ça, je vois ce jeu. Ok. Gauche. Merci pour le relais de chaîne, Non, bah heureux. merci. Ça, Ok. Bah, ce que je merci te pour le propose, relais c'est de que de chaîne. te Merci. reposer la voix. J'ai évidemment coupé notre vocale. Bah, ce que je te Mais propose, normalement, c'est que je j'aurais te refaire une vocale reposer la ouverte ce voix soir après après le coupé tableau de notre mystère vocale. une fois Bah, ce 20 heures que je te passées. propose, Normalement, c'est que j'aurais refaire une reposer vocale la ouverte voix ce soir après le après tableau de tableau mystère de une coupé fois 20 heures notre vocale. vocale. Bah, ce que Donc je... normalement, Normalement, c'est que j'aurais refaire une reposer vocale la ouverte. voix À tout à l'heure. après Après le le tableau tableau sera vocal libre. Donc mystère mystère vocale. calme. Bah, Bah, ce ce que que je... Normalement, c'est que j'aurais refaire une vocale reposer ouverte. la voix À tout à l'heure. Bah, Après après le le tableau tableau sera vocal libre. Donc mystère mystère vocale. calme. Bah, Bah, ce ce que que je... Normalement, c'est que j'aurais refaire une vocale ouverte. reposer À tout à l'heure. la Bah, Après le tableau voix. sera vocal libre. Donc Mystère mystère calme. vocale. Bah, Bah, ce ce que que je... Normalement, c'est que j'aurais refaire une de... vocale. Mais vous êtes fou? Ah oui, mais vous êtes fou? Tout, tout. Mais vous êtes fou? Ah oui, mais vous êtes fou? Qui c'est qui l'a dit? C'est Benaby. Il fallait pas que je laisse mon navigateur ouvert. Excusez-moi du de fou là, c'était C'est un énorme. relais. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos Écoutez-moi, vous plairont. être En lumière tout cas, et soyez entrer les dans mon bienvenus. esprit. Bienvenue. En tout cas, c'était Bienvenue. drôle. Bienvenue. Oh merde, j'entends tout déglinguer en direct. Ah, je veux voir mon chat. Sinon, je vois pas mon chat. Re tout le monde. Merci pour le relais de chaîne. Tiens, puis tiens, je suis mon vilain. Allez, pan. Elle est pour vous, celle-là. La petite bambinette. Bon, allez, je vais essayer de me concentrer. Je vais faire n'importe Et quoi. libère J'ai une idée sa précise terre en tout, en tête, pardon. Et je vais vous expliquer s'il Sa en retourne. Majesté Lodshire, digne fils de Ah bah Poxelis, merde, j'ai plus d'intro. décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre Noir, dans c'est une ancienne noir, il mine n'y a humaine. plus d'espoir. À cette occasion, tous les conflits Oh entre les putain, races j'ai encore un d'Arx truc à débrancher, s'estompèrent. je reviens. Humains, 30 secondes, nains, hein, je suis mais désolé. aussi trolls, Bah merde, je vois plus goblins, rien. furent unis J'ai et fait sauter le même jeu. survie. Cette migration dura 5 années, Minute qui neige, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit, les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Attends, mais c'est ultra noir là. Attends, ça va plus. Là, j'ai cassé le jeu. Bah alors, viens le jeu. Oula, qu'est-ce que j'ai pas fait là, moi? Je peux avoir accès au Akbar, menu? le dieu de la destruction est Ah. sur le point de... Voilà. Ouf! Tout est revenu à la normale. Alors, normalement, il faut que je fasse reprise dans mes sauvegardes. Dans ma logique. Voilà. Alors, l'idée que j'ai en tête, si vous vous souvenez des épisodes précédents, faut rembobiner un peu. J'ai. Souvenez-vous, j'avais laissé choir un prisonnier qui était du côté des trolls. Ceux qui déblayent des cailloux, là, les gros costauds. Et chez les trolls, si vous vous souvenez, dans leur méandre de leur domaine, il y avait un prisonnier. J'ai une grosse envie de le libérer, parce que je me demande si ce prisonnier-là ne correspond pas au copain du troll qui s'est isolé du côté des gobelins
et qui est devenu pêcheur. Vous savez, c'est l'artiste qui fait des sculptures, là. Je me demande si ces deux personnages ne sont pas liés. Attendez, ma souris passe par des endroits interdits, on va dire. Ça fait un bruit horrible quand je tire sur le câble. Excusez-moi, on va y arriver. Ah ! Donc, direction chez les trolls. Chez les trolls. Oh, bonjour, Poupon. Quoi ? Oula, j'ai eu peur. J'ai mal lu le propos. Quand on a une grosse envie, il faut pas se retenir. C'est mauvais pour la vessie. Oui, c'est pas faux. Bonjour, Poupon. Comment ça va ? Je crois qu'en ce moment, tu as la tête dans les étoiles. J'ai envie de dire que ça te va bien. Bonjour. attends, on est dimanche. Oh, ah, non. J'ai cru voir quelque chose sur mes murs, mais j'ai eu un mauvais jeu de lumière par rapport à la lumière du soleil qui se reflète dans les... dans mes vides de fenêtres. Bon, bref, c'est pas grave, je suis plus à ça près. Attendez, est-ce que je passe par le bon endroit? Je suis pas sûr. C'est pas grave. Ça va me faire réviser les lieux, c'est pas plus mal. Alors, hier soir, j'ai la tête ailleurs, mais ça va aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Ah, moi, ça va, merci. Je suis content de pouvoir me détendre là aujourd'hui. Et ça se passe bien. Sachant que j'ai eu une semaine qui était pas triste, là, cette semaine. Mais je vais avoir encore plus mouvementé la semaine qui arrive. Donc, j'appréhende un peu et je fais vœu que tout se passe bien. Oh, c'est stalactite. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Merci, Poupon. Bah, qu'est-ce qu'il fout là, ce rat? Je croyais que j'avais oublié tous les rats. Vilain rat. Bah alors. Bizarre. Ou alors les rats se régénèrent un peu de temps à autre. Ah! Mais oui! Saligo. Ah bah merde alors. Il y a des rats qui ont repris vie. Oui, on a fait le plus dur, Fulfan, dans Sanitarium. Oui, le fait d'avoir passé le labo, c'est merveilleux. J'ai presque envie de te répondre qu'on n'a plus qu'à se laisser glisser en 2-3 épisodes à ce qu'on termine le jeu. Surtout que, tu vois, on a été récompensé avec cette énigme difficile de Sanitarium. On a eu, je vous l'ai dit, on a eu le cœur de l'intrigue du scénario qui nous a été dévoilé dans les cinématiques. C'est pas rien. Merde, non, c'est comme ça qu'on fait, je crois. Ah, ça marche pas? What? Comment ça? Ça marche quand je suis dessus? Oh merde. Ah! Comme un ego, j'ai planté mon épée, j'allais dire. Mon appel. Le jeu se spoil lui-même, en quelque sorte. On peut le voir comme ça. Ah, mon dieu. Bon, soit je sais pas me servir d'une pelle dans le jeu, soit elles n'ont pas l'utilité que j'espérais. Ah, soupir. Alors, bon bah j'ai fait le bon choix. On est déjà chez les trolls. D'ailleurs, je suis un peu impoli, je peux peut-être venir les saluer. Toi, ami ? Oui, moi, ami. Toi, ami ? Oui, moi, grand ami. Nous, bientôt, faire grande fête. Et puis toi, danser la Macarena, na. Faire plaisir à ton roi. Oui, les pelles, faut les rouler. Mais hey, pour l'anecdote, hein, en famille, la dernière fois que j'ai joué en famille, du côté de ma frangine, ils aiment bien les jeux de mime. Et ma nièce qui m'a fait deviner l'expression rouler une pelle.
Je ne vous ferai pas de dessin. Mais ma nièce m'a fait beaucoup rire. Toi, ami ? Ah là 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 là. Et toi, planté là ? Toi, ami ? Ah non, mais on en est certain maintenant. Et il danse presque la Macarena, hein, si on veut, s'il se met à lâcher sa grande pioche. Eh, Macarena. Bon, le prisonnier chez les trolls, il est où? Il était quelque part par là. Re tout le monde. Comment ça, il va faire un paix? Mais non. Pff, fun fan. Oh, n'importe quoi. Oh, mais fun fan, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, quand je vous dis que le jeu Sanitarium va rendre fun fan tout fou. Voilà. C'est pas joli, joli. Mais qu'est-ce que... Une très lourde pierre. Oui, bah qu'est-ce qu'elle fait là, la pierre? Oh, lancée de rocher. Ah oui, tu décompresses, oui, effectivement. J'y constate. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais plus ce que je lis sur mon propre chat. Ah, mon dieu. On vous a perdu, les garçons. Ah mmh. Ça, c'est le dortoir des ouvriers trolls. Là, il y a de la flotte. C'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. J'ai dû tout dévaliser. Et là, il y a du poisson et de l'ail. Ouais. La 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 la. Ah oui, si je tombe là, c'est vrai que je me barre. Ah, la cellule du prisonnier doit pas être très loin. Ouais, c'est une torche. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? En passant par la Lorraine avec mes sabots. Ah oui. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'honneur. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'honneur. En passant par la Lorraine. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'Auvergne, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'Auvergne, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. Ah mince, t'en as mis trop, pauvre baron. Le baron live qui a mis trop des modicônes, du coup il s'est fait botter le cul par le robot Wisebot. C'est pas grave. Ah là là, voilà, fun fan t'a sauvé. Oui, c'est vrai que j'avais mis cette restriction parce que au début de ma chaîne, il y avait la folie de la nouveauté et comme j'avais mon. Sur plusieurs plans, vous savez que j'ai mon mur d'émoticônes. Et à un moment, c'était devenu franchement n'importe quoi. Donc, je voulais freiner un peu les ardeurs de certains. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, mais il fait peur, lui, avec ses coups de pioche gratuits, là. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Non, moi, je veux retrouver le prisonnier. Mais je suis perdu chez les trolls. C'est trop grand, on s'y perd. Je veux retrouver la cellule du prisonnier, mais je sais plus où la trouver. Il faudra bien aller chercher. Yeah, yeah, yeah. Où est le prisonnier? Bah. Oh mince, je me suis blessé en faisant ce saut. La nuit du lapin. Oh. The night of the rabbit.
Oula. Oh, je vais saluer le roi. Quand même, par politesse. Bonjour le roi. Toi, être véritable ami des trolls. Bah oui. Moi, essayer de retrouver votre cellule de prisonnier. Alors j'ai dû emprunter et arpenter tous les corridors sauf le bon. Franchement, en gros... Ah, c'est un point and click. Faudrait que j'essaye de voir ça tout à l'heure en antenne, tu une scène. Mais merci de l'avoir notifié. Oui, mais non, il n'y a pas de chemin. Ça, c'est le dortoir des ouvriers trolls. Oh là là là. Ça, si je chute, je retombe dans le territoire humain. Alors, attends, c'était pas par là. Et merde, c'est grand chez les trolls, on dirait pas comme ça. Ah! Mais je suis pas fou, vous vous souvenez, on l'avait vu dans un épisode précédent, alors qu'il remonte à assez longtemps, je suis d'accord. Mais on avait croisé la route d'un prisonnier chez les trolls. Le prisonnier lui-même était un troll. Mais il était dans une cellule isolée. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est... Ah, bah là, il y a un masque. Là, il y a un mec. Moi, ami. Il est des nôtres. Il est en PLS, 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 comme les autres. Birwaka, je connais Greu. Je veux lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Ah, c'est lui! Être né sous terre. Lui, jamais voir nous depuis dehors. Moi, penser que Greu vouloir voir l'image de dehors du monde. Toi dire joyeux anniversaire à Greu quand toi voir lui. Oui, je le ferai. Ah! Alors, c'est pas le gars que je voulais rencontrer. Parce que je croyais que son ami était finalement celui qui était en tôle. Donc l'artiste, il veut un album d'images du monde extérieur. Alors, à part la bibliothèque du roi humain où il y a la femme serpent, je vois pas... Mais encore, non, j'avais scruté la bibliothèque, j'avais pas trouvé ça là. Je devrais manger quelque chose. Ah merde, mon personnage a faim. Alors du coup... Qu'est-ce que peut m'apporter de neuf le prisonnier? Enfin, faut-il encore que je retrouve le prisonnier? Voilà! Hey, c'était tellement chiant que je sauvegardais. C'est bizarre d'entendre un son d'orage quand on est en sous-sol. C'est trop bizarre. Oui, merci d'être passé faire un coucou, Poupon. Bisous tout plein. Moi-même, il faudra que j'essaie de passer dans la semaine. Je devrais direct. Nettoyer tout ça à l'explosif, mais où sont mes ananas? Allez, bisous, à plus. Ah, merci, surtout panique pas. Aïe, 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 Je jouais à Duke Nukem 3D à l'époque, si vous vous en souvenez, quand j'avais chantonné ça. Mon cerveau me dit de renommer ma sauvegarde, mais comment? Le prisonnier, ouais. Oh, pff. Il a pas pris mon R, ça fait prisonnier. Bon, allez, c'est pas grave. Plus tard, quand j'aurai une fille, je la prénommerai prisonnier. N'importe quoi. Bon, bref. Bah merde. La cellule est ouverte, enfin déverrouillée et il y a plus de prisonniers. Bah c'est cool, je vais pouvoir faire le plein de pierres précieuses, mais j'ai pas tout compris là. Bon bah à moi le fric. La 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 la. Je vais m'en mettre plein les fouilles.
Yukine dit, tiens, d'ailleurs, ça me rappelle, c'est pas toi qui m'avais parlé de l'arrivée du sable du Sahara il y a quelques semaines, le sage? Très probablement, oui. C'est un phénomène météorologique nouveau, enfin nouveau, qui, dont la fréquence est devenue quasi annuelle. Oui, donc j'en parle de temps à autre, effectivement. Oui, c'était sûrement moi, Yukine. Philippe Risoli, n'importe quoi. Quitas les bananas, découpez en dos les patatos. Oh my god. Et dire qu'il osait affirmer être. Enfin, espérer devenir le l'égal de Brassens. J'invente rien, hein. c'est dans ses dernières interviews à Risoli. Au final, j'ai pas fait attention, mais vous en avez eu près de chez vous. Je t'avouerai que j'ai pas fait gaffe non plus. Mais moi, je crois qu'en Lorraine, j'étais plutôt épargné cette année sur les sables. Je crois que ça touchait plus la Bretagne et on va dire l'ouest de la France. Ça a surtout touché normalement la Grande-Bretagne. Aussi surprenant qu'il puisse paraître, il y avait une image satellite qui montrait que les sables du Sahara remontaient jusqu'en Grande-Bretagne. Ça a dû leur faire bizarre aux Anglais. Je suis riche. Ah, je suis riche de 3 nouvelles pierres précieuses. J'ai bien fait de revenir dans les galeries des trolls. Oh, pour fêter ça, je descends là. Allez hop. Merde, je me blesse. Mais au moins, voilà, ça changera de... Ça va changer de chemin. Ta-da-da-di-doudin. Ça change les idées. Moi, je dis, c'est le pied. Alors, oui, moi aussi, je deviens fou, le baron, écoute. Je me joins à un fan, besoin de décompresser, hein. Tout est normal. Oui, alors, Mutiné, tu disais, je suis aussi de la Lorraine, mais comme j'avais pas remarqué grand-chose, je me suis dit peut-être que t'avais vu quelque chose. Je te confesserai que j'ai pas fait spécialement attention non plus. J'ai pas cherché à être attentif au phénomène. Mais c'est pas un mal que finalement on n'ait pas été perturbé par le sable du Sahara. On va jambaya la Lorraine avec mes chabots. Non, alors j'ai plus rien à faire chez les trolls. Un bouquin avec des images de l'extérieur. Il faudrait presque que je pose la question. Écoutez, vous savez quoi? Je vais retourner chez les... Attendez. Je vais retourner chez les humains. Et je vais soumettre la question à la bibliothécaire. Vous savez la femme serpent, là, du côté du roi des humains. Parce que, à part elle, je vois pas qui peut me guider pour trouver ce genre d'ouvrage. Un bouquin avec des images du monde extérieur. C'est pas une mince affaire, ça, comme quête. Alors, ce qui est jouissif dans ce genre de jeu, c'est quand vous déambulez en n'étant pas bloqué. Vous avez toujours un objectif à atteindre, faire quelque chose, et vous n'êtes pas perdu, et c'est cool. C'est très agréable. Parce qu'on peut vite décrocher dans ce genre de jeu qui a une intrigue et qui a des... On va dire une conception de carte assez... labyrinthique, hein. Faut pas se voiler la face. Bien, je dirais FunFan peut te guider vu que tu l'as guidé sur son jeu. Oui, écoute. Maintenant, j'ai suffisamment d'années d'expérience auprès de FunFan pour être prêt à tout. On va pas se mentir. Bon, je rigole, mais je salue l'excellente méthode de déduction et de guide de Pop and Ripop tout à l'heure. Et Yukine aussi, merci, tu n'as pas démérité. C'était un beau travail d'équipe, on peut s'en féliciter. Non, c'était bien.
Là, FunFan, c'est cool, t'auras résolu un beau paquet d'énigmes. T'as quasiment résolu les énigmes les plus balèzes du jeu. Oui, je pense que Pop ferait, s'il l'accepte, Henry Pop ferait un très bon guide. Non, non, il est vraiment doué le malin. Il est vraiment doué le malin. Il est vraiment doué, le garçon. Oui, tu recrutes. Jetez un coup d'œil à mes coffres et servez-vous. Alors merci, encore que oui j'allais dire, non c'est l'autre qui marchande les pierres précieuses, excuse-moi ma grande. Non je vais aller vendre mes pierres précieuses, là fraîchement trouvées chez les trolls au marchand de, hein, de bijoux, le joaillier. Mais non je veux un bouquin, il faut que j'aille voir la femme serpent. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à mes marchandises et n'hésitez pas à vous servir. Bah c'est surtout que je te vends un rubis à 128, une émeraude à 130... Et je crois que j'avais un diamant. Ah non, c'était un cristal, une gemme à moins de 100. Mais ça me va très bien. Voilà. À moi la thune. Et si je croise le forgeron et je... Attends. Mais non, mais mes armes, elles sont bien. Je ne me suis pas servi. C'est pas deux rats zigouillés qui vont bousiller mes armes. Chez le roi, le roi. Ah, j'allais tomber dans l'eau. Pardon, le chien. Mais reste pas au milieu du passage, toi. Alors, toutou, t'as fini d'être au milieu du passage? Bah, j'ai failli tomber dans l'eau, Nunuche. Le roi, le roi, le roi. C'est pas par là-bas, le roi, si je crois. Le roi Merlin. T'as, puis en plus, tu dis ça, il faut que j'aille à le roi Merlin pour m'acheter du matos de maçonnerie. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire, parce qu'idéalement, j'aimerais y aller la semaine qui arrive, mais je sais pas quand j'en aurai l'occasion. J'ai un peu de maçonnerie à faire chez moi. Il faut que j'achète de la colle béton. J'ai un revêtement à refaire qui s'est effrité les années passant. Enfin bref, je vous raconte ça spontanément, mais les joies de la petite maçonnerie, ça occupe. Bientôt, Torota, ce sera mon guide dans les Resident Evil. Ouais, je vois bien Torota en guide de Resident Evil. Ah, ce serait cool. D'ailleurs, je crois qu'il a bientôt fini son 24 heures, Torota, non? Là, il est bientôt arrivé à 24 heures, si j'ai pas de bêtises. Oh là là, bande de foufou, va, quelle idée de faire 24 heures de jeux vidéo. Mince, non, il est en train de me bloquer. D'ailleurs, je crois que je suis pas allé dans le bon sens. Elle est où la bibliothèque avec la femme serpent? C'est là-bas? Ah oui, je me suis trompé de côté. Bah, on peut dire que le garde m'aura remis dans le droit chemin. Non, c'est... Oui, voilà, c'est là-bas. Je sens qu'il va me... Bon, heureusement qu'il était pas loin de la porte. Coucou, la femme serpent qui fait peur. Dis-moi tout. Je recherche un ouvrage contenant des images du monde extérieur. Voilà un livre qui correspond à ce que vous recherchez. Il est à vous. Ah, merci. Oh, merci. Elle m'a donné... Attends, je vais saluer le pauvre, on l'a entendu éternuer derrière la porte. Toc, toc. On va aller lui dire bonjour. Ah non, c'était un garde dans le couloir qui a éternué. Ah merde. Ah, je croyais que c'était le mage qui était... Bon, bref. Attendez, je réfléchis. Oui, mais j'ai pas augmenté de niveau. Il me fallait 50 en truc manuel pour... merde, non, non. Non, il faudra que je revienne quand j'aurai augmenté de niveau. Je pourrais faire de l'alchimie. Mais... Ah merde, c'est un garde dans le couloir, en fait, qui s'est mis à tousser. Mais merci, madame. Je suis ravi que vous... Oh là là, elle me susurre des mots interdits. La cochonne. Les 24 heures Twin Fun. Oh mon dieu! C'est un concept. Là là là. Il faut que je parte à la rencontre du troll artiste qui s'est isolé, qui est devenu ermite, là, ou oserais-je dire. Mince, j'ai employé le terme tout à l'heure là dans mon commentaire sur la folie. Merde, quelqu'un qui s'isole de la société et qui joue en solitaire, c'est un
Pas un exilé, c'est un... Pas un excentrique, hein. Encore que, on pourrait imaginer symboliquement qu'il s'éloigne du cercle. Mais c'est l'idée là. C'est un... Ah, ange de lumière, bah bienvenue. Oui, c'est bizarre, c'est un deuxième canal secondaire peut-être. Mais bonjour, ange de lumière. J'espère que tu vas bien. Oui, il était chez les gobelins, le gars. Donc, je passe par là. Ça va tranquille, ange de lumière? Bon, bah, c'est cool. Un marginal. Voilà, c'est le terme que je cherchais. La 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 la. Da la di da do di do di di do do di do do. Oh, c'est son nouveau nom. Il a eu un petit souci dans ses emails. Ah, ok, je comprends mieux. Bah, re-bienvenue, alors. Ah, c'est chiant d'avoir des soucis informatiques, surtout les soucis... Pardon. Les soucis liés aux adresses mail, c'est une horreur. Attendez, pardon, je me permets honteusement de vite vérifier si j'ai pas eu un message en SMS. Ça va, tout le monde va bien de mon côté. Me voilà rassuré. Voilà, excusez-moi. Moi, ça me rassure, ça permet de me convaincre que je vais passer un agréable dimanche en votre compagnie jusqu'en bout de soirée. Alors, l'artiste, il vivait où l'artiste? Il faut que je retourne chez les gobelins. Il s'était isolé de l'autre côté du territoire des gobelins. Donc, il faut que je me barre par là-bas. Je peux me congratuler d'avoir encore une bonne mémoire. Je ne me vanterai pas davantage, mais je suis satisfait de ma performance. Et de réussir à pas trop hésiter de par où est-ce qu'il faut passer pour trouver tel ou tel interlocuteur dans ce dédale qui, je le rappelle, est étalé sur 8 sous-sols. 8 étages, si vous voulez voir ça de manière inversée. Bon, toi, je te chantais MC Solar, bouge de là. Et voilà. Toi, merci. Pa-la-pa-pa-la-pam, bouge là. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-la-pam. Oh, je me réécouterai volontiers le premier album de MC Solar. Alors, je suis pas très rap français, voire pas du tout. Mais alors, MC Solar, je reconnais que j'aime bien. Lui, il fait des beaux textes. C'est surtout qu'en fait, ses textes sont plutôt positifs. Ah, c'était par là-bas. Oh, on va lui souhaiter anniversaire. Attends, on va mettre en lumière qu'on le voit bien. Bonjour, ami de moi. Pour apporter cadeau pour anniversaire Grogu. Mais oui. D'ailleurs, attends, est-ce que je peux le voir, moi, le bouquin? Non, je peux pas le voir. Tiens, mais... Oh, mais il se barre au moment où je lui tends son cadeau. T'arrêtes d'avoir la bougeotte, Nigo. Anniversaire. Oh, le con. Il a bougé et je lui ai jeté à ses pieds. Abruti. Mais qu'il est bête, ce mec. Ah, je vais y arriver. T'arrêtes de bouger, le troll de mes deux. Mais... Il a des fourmis dans les jambes, là, ou quoi?
apporter cadeau pour anniversaire Gru. Voilà. Que penses-tu de ça? Oh oui, Gru aime ça. Toi gentil, toi grand ami de Gru, toi savoir ce que plaît à Gru. Maintenant, Gru donne un cadeau pour anniversaire à toi. Prends ça, ça va être un amulette. Avec ça, aucun troll n'attaque toi. Merci. Alors, j'apprécie le cadeau d'avoir une amulette troll et que personne m'attaque. Le problème, c'est que tes congénères qui étaient agressifs dans des niveaux inférieurs, à moins que j'en rencontre d'autres, je les ai déjà tous massacrés. Donc me donner un truc, un objet pour avoir un pass, pour passer sans encombre après la guerre, c'est un peu gênant. Mais j'apprécie le geste. Au moins, ça nous fait un heureux. Attends voir que j'active de ce portail là. J'étais en train de négliger le portail. Bougez pas, bougez pas. Alors, la femme serpent m'avait appris la formule secrète. Si j'y arrive. Il y avait un truc dans le jardin, je crois. Non ? Comme ça? Non? Comme ça? Merde, comme ça peut-être. Ah! Mais comment on fait? Je sais plus. Je ne connais plus mes arcanes de la magie. Ah! Il y avait un semblant de faux carré là, pas fermé. Ça voulait dire portail. Oh, je cours, je sais plus. Oui, j'ai réussi. Ah, ma première porte. Se barrer chez les humains. Allons-y. Alors GLaDOS, elle arrivera à 19h, mon cher Tunsen. On fera ça à partir de 19h, t'en fais pas. Ah, je sais que t'attends. Hein. T'attends ça avec impatience, avec le tableau mystère derrière. T'en fais pas. Tu vas avoir ton moment, Tunsen. Ah. Ah, alors il faut que je pense à côté des portails à les activer parce qu'après c'est super pratique pour faire des sauts de puce. Oui, j'en doute pas que t'as déjà donné tes réponses. Je les analyserai tout à l'heure entre 20h et 20h30. On verra ça tout à l'heure. Oui, merci pour le clip, bonne fan. Attends, je déambule, mais sans but, sans raison, ce qui est absolument débile. Attendez, je m'arrête dans un coin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le cadeau au troll artiste, il est heureux, il m'a donné un pass pour être bien avec tous les trolls. Tant mieux. Qu'est-ce qui me restait? Parce que j'aimerais honorer, en fait, les quêtes annexes. Parce que j'en ai laissé 2-3 sur les côtés. Ah, il y avait le cuistot le cuistot gobelin. Normalement, je lui ai donné son livre pour qu'il cuisine mieux, non? Ou je l'ai gardé avec moi dans ma réserve. Attendez, je cogite. J'essaye de pas faire d'actions inutiles ou d'être trop débile. Attendez voir que je retourne dans ma grande réserve, qui est l'ancienne réserve justement des gobelins que j'ai joyeusement pataté. Ouch. La da di da li da do di do da shibidi bidi bidou. Et c'est reparti pour un tour. Wouh, j'ai gagné un tour gratis. J'ai gagné un tour gratis. La la
la la la la la la la la la la la la. Pardon. Le gobelin cuistot. Qu'est-ce que je fais? Je rends visite au gobelin cuistot avant. Il me dirait que c'est plus proche que ma réserve. Oh, rien ne m'interdit d'aller lui rendre visite tout de suite. On va voir s'il m'adresse la parole. S'il me dit quelque chose de particulier. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ouvrez-moi la grille. Ouvre-moi la porte, didalidoudalidou. Non, je sais plus, c'est quoi la comptine? Non, c'est au clair de la lune. Mon ami Pierrot, ouvre-moi la porte. C'est ça. Alors, le cuistot, il est par là-bas. Je me demande si le roi des gobelins a encore la diarrhée, pour être poli. Salut le cuistot, alors comment que ça va? Ok, il s'en est toujours parmi de la maladie de son roi. Bon. Alors, monseigneur gobelin, là. Il est dans la salle du trône. Enfin, le vrai trône cette fois-ci, pas les chiottes. Coucou, je te vois d'une audience auprès de vous. Bon roi des gobelins, là. Marchand de gemmes, dois regarder marchandises. Ah bon? Ah! Eh ben, je mémorise. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de commercer avec vous, mon bon seigneur. Marchand de gemmes, dois regarder marchandises. Oui. A plus tard, roi des gobelins. Donc, je devine que le bouquin pour être bon en cuisine qui doit être encore dans ma réserve, et en fait, je l'ai pas passé au cuistot. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, pas chercher histoire à nous, humain. Oui, d'accord. Toujours aussi aimable à ce que je vois. Alors. Je vais retourner dans la réserve des gobelins qui est devenue mienne. Normalement, dans mon stockage, mes réserves, je dois avoir le bouquin sur la cuisine. Et je vais le donner au cuistot des gobelins là. Pardon, merci. Il faut que je me rappelle du chemin. Hop. Attends, je me plante pas moi. Je commence à avoir des doutes au niveau des corridors que j'arpente. Je suis au bon endroit. Oh la vache. C'est vrai qu'on est plus très loin de la surface, donc l'idée qu'il y ait de la lumière qui vienne du dessus est crédible. Ça fait bizarre. Voilà, ma réserve elle est planquée là. Dans ce sous-sol. Vous souvenez-vous, au tout début, j'avais été prisonnier des gobelins. Tagada tchouin tchouin. Ouvrage. Non, là, c'est la bouffe. Ah, les ouvrages. Un livre. Je sais pas de quoi. Journal de bord. Devrait manger quelque chose. Oh, il a déjà faim, mon. Une offrande pour réaliser le rituel, niveau 4, blablabla. Oui, non, c'est quand la fille était en danger. Ah bah merde alors!
Ah, en fait, je lui ai déjà passé le bouquin et c'est rien passé d'autre. Ah, en fait, je lui ai déjà passé le bouquin, je pense. Oh merde, je suis redescendu là pour rien. J'ai rien arrangé du coup, parce que... Ah, peut-être l'appel. L'appel, ouais, je vais peut-être renoncer à... Comme j'arrive pas à l'utiliser, allez hop. Ça va me libérer 3 cases. Une amulette des trolls. Tidadadada. Ouais. Bon, bref. Blablabla. Est-ce que je range quelque chose? Est-ce que je range quelque chose? Oh, les 3 torches. Je peux peut-être bien les ranger, les 3 torches. Là aussi, ça va me libérer de la place. Ben là, je... Ah merde, j'avais pas mal de trucs là aussi. Ouais, allez. Je vais ranger les 3 torches ici. Adieu, j'ai vendu. Prout, 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 prout. Ouais, bon. Ouais. Oh là, j'ai 3 fioles. Attendez voir, que je réagence proprement mon inventaire, enfin si j'y parviens. Ah ah ah. Je vais faire ça comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Alors, je vais sauvegarder là, en disant que c'est la réserve. Bon, je fais confiance au jeu, hein. Jusqu'à maintenant j'ai pas eu de gros plantages, mais... On va dire que c'est une question de principe. Ça fait un petit bout de temps que j'ai joué sans être interrompu. Je ne sais plus écrire français. Et encore, je ne mets même pas les accents parce que je crois que le jeu ne les accepte même pas. Enfin, je parle peut-être mal parce que c'est comme une équipe française qui a développé le jeu. Mais bon, bref. On va dire que c'est un réflexe. D'essayer d'éviter les accents pour éviter les problèmes. Alors, si j'ai fini la quête du cuistot gobelin, il me reste quoi comme quête secondaire que j'ai pas honorée? L'artiste, on lui a fêté son anniversaire. Oh la vache, cette pièce, je m'en souviens encore. Oh, il y a encore quelqu'un? Bah. Regretter. Comment ça? Mais... C'est toi qui vas regretter, qu'est-ce que tu fiches là et pourquoi t'es agressif? Dis donc toi. Ouais, ouais, ouais. Va mourir. Ouf. Je lui ai coupé une jambe. Yalance. Mais qu'est-ce qu'il fichait là, lui? Bon, bref. Ah, moi qui voulais me reposer dans la pièce, bravo. Alors le jeu est vraiment intelligent dans le sens que vous voyez il y a des... ça reprend vie au bout d'un certain temps, il y a des rats qui réapparaissent, des personnages lambda qui poup, c'est incroyable, ce jeu est très bien conçu, au moins il y a de la vie continuellement. À croire que c'en est des nouveaux qui sont arrivés par la surface, chose impossible puisqu'on sait que dehors c'est extrêmement hostile. Enfin bon, bref. Et j'ai pas mal exploré le jeu. Ah, encore que à partir du quatrième sous-sol, ça devient obscur. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, dans les récits, regardons les dernières pages du journal, qui est presque illisible, vu que la police de caractère est super fine. Alors, Chenny est saine et sauve. Souvenez-vous, Chenny, c'était la petite fille adorable en robe blanche, la puce de la commerçante, là. On l'a sauvée, effectivement, des griffes des maboules de la secte qui allait la transformer en monstre en la sacrifiant sur l'autel. Diabolique. Alors, le météore a résisté à mon contrôle, enfin mon contact, il est plus puissant que prévu, blablabla, blablabla. Alors, il faut que je trouve Kraor et Zoark.
afin d'éviter que ma mana soit drainée par le météore. C'est la seule façon de le détruire et d'empêcher l'arrivée d'Akba sur Arx. Alors, j'ai offert le livre à Gren, il semblait très content, il m'a donné une amulette. Je me suis fait un nouvel ami. Oh, j'ai Mimi. Mais ça... En fait, là, le jeu me guide plus. Le jeu me dit, tu te démerdes, t'es un grand, et à toi de trouver où sont les deux fragments d'épée légendaire. Alors, ça sent les niveaux inférieurs, là, comme je viens de scruter ma carte avec les différents sous-sols. Je pense que je vais me risquer d'aller me flâner dans les niveaux inférieurs. Va y avoir des mystères, des énigmes et de la castagne, si vous voulez mon avis. Mais, il faut que je reste toutefois vigilant. Je retiens la mise en garde d'Olive qui tue. Ah bah tiens. Il faut que tu arrives que je, quand je parle de toi. Bonjour Olive qui tue. T'as plein de cuisine et des tâches ménagères. Non mais merci d'être là, bisous. Bon courage pour tes tâches ménagères. Oui, donc je me souvenais de ton avertissement, Olive. Quand tu me disais attention de pas zigouiller trop de monde et à pas aller n'importe où au risque de casser le scénario du jeu. J'ai faim. Toi, pas chercher histoire à nous, humain. Ouais. Oui, ça va encore, il est neutre. Parce que l'autre qui m'a agressé gratuitement, je l'ai encore, hein, au travers de la gorge. Alors, mon perso a faim, et ben mange du poisson. C'est pas la bouffe qui manque, tant mieux. Même là, déjà, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est l'autre partie des humains. Ah, il y a la taverne avec la secte où je leur ai cassé la figure. Ah, c'est vrai qu'il y avait les grands vilains qui s'étaient vengés, que j'ai pillé leur secte, donc ils les ont tous tués ici. Il y a peut-être un truc à faire ici, il faut peut-être que je mène l'enquête. Il y a peut-être un indice sur leurs méfaits. Il y a peut-être encore un survivant qui, dans un angle, va agoniser et il va me dire « Ils sont venus, ils étaient invincibles, ils nous ont cassé la gueule. » Et venge-nous. Oula. Alors, peut-être dans le tunnel qui remène au chez le roi. Mais... C'est vrai, j'avais oublié ça aussi dans la narration. Alors ça, à ce qu'il n'y ait plus une seule personne, il n'y a plus. Il n'y a plus de survivants du tout. Apparemment, ils sont tous morts. Alors, je serais vilain, j'ai envie de dire, j'ai gagné une nouvelle chambre. Bon, les coffres ont dû être pillés. Quelques flèches, une épée... Bon... Au moins, j'ai du rab en matos de guerre. C'est ça que faut se dire. Ah, et là, il y a des coffres. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Ah, je vais peut-être faire mon vilain et essayer de forcer les serrures. Donc, je vais sauvegarder avant de faire des essais avec mon... J'allais dire mon ouvre-boîte. Avec mon... Mon passe-passe là, mon. Oui, Mister, si tu veux. Peu importe le nom de la sauvegarde. Avec mon passe-partout. Je crois que j'ai entendu des nigauds devant chez moi là. Mais des nigauds motorisés là, à faire du vroom-vroom. Enfin, bref. Je pense que j'ai endommagé mes outils. Bon, c'est un échec. Trop complexe pour moi. Trop complexe pour moi. Donc, il n'a pas encore le niveau. On va recharger. Hein, on oublie. Il ne s'est rien passé. Voilà. Ouais. Ah, soupir. Ouais, ouais. Roule ma poule.
J'avais rien loupé dans la secte où je les ai démolis. Oh, il y avait le foutu météore, mais j'ai plus rien à y faire, moi, là-bas. Attends, je marche bêtement, mais je réfléchis en même temps à ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, alors... Dans les personnages, il n'y en a pas un qui pourrait me guider dans ma quête. Oh, je vois pas. Non, je pense que là, je suis condamné à être en roue libre. Et, entre guillemets, par inadvertance. Oh, si seulement on pouvait m'ouvrir la crypte. J'ai très envie d'aller voir ce qu'il y a dans la crypte. Normalement, il y a la dépouille du défunt roi. La dépouille, justement, du père du roi actuel. Oh, j'ai des excités. J'espère que vous les entendez pas, là. J'ai des excités en moto devant chez moi. Oh, c'est chiant. Bon, bref. Ouais. Ouais! Je vais aller dans la crypte. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Il y a des ennemis à castagner. Des zombies. Puis je n'ose imaginer le nombre de trucs qu'on pourrait récupérer dans les tréfonds. Est-ce que j'ai le sort, moi, pour péter les murs, maintenant? Vous savez, ma quête du début, là. L'envie folle de pouvoir défoncer les murs... Je connais plein de runes. Dans les sorts puissants, j'ai quoi? Combustion. Interdiction de sort. Ah oui, devenir invisible. Ah oui, enchanter un objet. Mur de flamme. Confusion. Champ de force. Soigne lanceur de sort. Bénédiction. Augmente la force, la précision, la constitution et l'intelligence de la cible du sort. Dissipe un champ de force. Réduit les effets du feu. Dissipe les illusions et l'invisibilité. Lance un projectile de flamme. Mais on avait essayé, c'était pas assez puissant. Crée un champ d'énergie qui apaise la faim des créatures se trouvant à l'intérieur. Merde. Des runes. Il faut que je me mette en quête de runes. Qui vend des runes? Il y avait un mec qui était isolé vers le sous-sol 4, je crois. Là où j'avais croisé justement les trolls en colère et les camps qui s'opposent chez les gobelins. Le camp des rats et le camp des poissons. Il y avait un moment un humain qui vendait des runes. J'ai combien en thunes? 4000 de thunes. Alors, je peux m'acheter 3-4 runes. Qui c'est qui vend des runes? Alors pas ici, hein. Côté humain, j'ai écumé tous les magasins. Donc il y a l'humain ermite, là, si je puis dire, qui est au sous-sol 4. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vend des runes. Mais je sais plus où il est. Ça me reviendra. Je vais... Objectif, on va essayer d'atteindre le gars que je vous décris, là. L'ermite au sous-sol numéro 4. Par contre, pour me souvenir comment on fait pour y aller... Wouh! Comment on fait pour y aller? Je crois qu'on va improviser une promenade, hein. Ah si, je sais comment on fait. La mémoire me revient déjà. Si, je sais comment on fait.
La 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 la. Même d'ailleurs, ce niveau, attendez, je suis même pas certain d'avoir tout exploré. Elle dit quoi, la carte ici? Non, la carte, la carte. Est-ce que j'ai tout exploré? Ouais. Pas convaincu, mais apparemment, ouais. Bizarre. Bizarre. On va essayer de vérifier un truc. Bougez pas. Si je veux faire de la magie, enfin de l'alchimie, il faut que j'en revienne ici, hein, parce que les champignons, les fougères et les je sais pas quoi, il y a pas mal de trucs à bouffer. Oh oh, vilain petit rat. Salopard. Ah oui, il y a les fleurs aussi. Ça, c'est des fleurs de mana, ça. Corde, oh, j'en ai même pas besoin. Je vois même pas pourquoi j'irais m'encombrer d'une corde. Encore que. Allez. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. À l'occasion, quand je repasserai dans ma réserve, j'irai la ranger. Si par je sais pas quel hasard j'ai besoin de 50 cordes, au moins j'en aurai sous la main. Et puis si je suis vraiment sans dessous et que j'ai besoin d'acheter un truc, je pourrais revendre les cordes. Vraiment au bout du bout de la carte dans ce sous-sol. Bizarre. C'est plutôt du côté opposé que ça pourrait être intéressant. On va dire qu'on va se promener le pas léger. Comprenez par là que on va paisiblement vraiment passer en mode exploration, mais exploration un peu plus approfondie. J'ai des soupçons de passages abandonnés ou de cachettes ou de corridors dissimulés, enfin bref. Bizarre. Au niveau exploitation de l'espace, oh merde, rien ne se perd dans Arx Fatalis, on l'a vu. Merde, elle m'apparaît. Ouais, la vilaine là qui m'a mordu deux fois, qui m'a bien empoisonné. Vilaine bait. La vilaine bait. Alors là, au niveau géographie, Où sommes-nous? Ah non, je peux pas faire mieux. Et je suis dans les trous de cou du monde. Y'a pas d'autre solution. Y'a pas de mur qui se pousse. Enfin, quoique là, difficilement, parce qu'on voit que c'est... Quoique là, je pourrais presque avoir une suspicion à la lumière, mais... Je ne pense pas. Mais... Et là, le mec, il se rend compte qu'en tirant son stalactite, il déclenche un mécanisme et il y a une porte qui s'ouvre. On pourrait imaginer hein, des trucs assez tordus comme ça. La 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 la. Bon bah dans un quart d'heure, 20 minutes, on va voir GLaDOS qui va mal me parler. J'en connais que ça va en réjouir certains, je le devine du moins. Bon, ma théorie était pas valable. Ça y est, mon perso qui a déjà faim. Je parlerai mal, je dirais qu'il passe sa vie à bouffer. Bon, là, il n'y a rien qui m'échappe. Alors, les profondeurs, le mec... ouais, il faut que je le rejoigne par le...
Voilà, je vais arriver au grand carrefour. Le grand carrefour. La da di da di da da. Oui, c'est là-bas que je vais aller. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de secrets encore. Il y a des portes qui sont visibles, qui me sont inaccessibles par là. Non, non, il y a là, il y a là. Il y a des, vraiment des trucs à... Il y a plein de trucs qui m'échappent là où je vais. D'ailleurs, je vais sauvegarder une fois le chargement fait. Investigation. J'ai pas une sauvegarde qui s'appelle investigation. Ou exploration. Allez, hop. Adjugé vendu. Oh, cette musique. Oh merde. Mais c'est la femme que j'ai libérée de... du sacrifice. Mais pourquoi elle n'est pas en ville? Mais que faites-vous là, malheureuse? C'est un plaisir de vous revoir, étranger. Moi de même. Je ne connais pas votre nom et en ce qui me concerne... Et si nous servions tout d'une part de mystère? Je recherche un objet magique détenu par un groupe de rebelles afin d'arrêter ceux qui vous ont enlevé. Intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus à propos de cet objet magique? On l'appelle Kraos. Il appartenait au royaume de Arx. Il doit être combiné à Zoark pour déployer son plein potentiel. Suivez-moi. Ah bon? Ok. Je sais toujours pas qui elle est, elle a la réponse à ma question. Quoi? Elle m'a assommé et j'étais mis dans le passage secret par une civière avec des gardes humains? Ou j'ai mal compris la narration, là? Mais c'est quoi ce bordel? Il se réveille enfin. Rebonjour, Amshagar. Ma tête. Où suis-je? Vous connaissez mon nom? Tu es dans le camp de ceux que tu appelles les rebelles, Amshagar. Et sache que tu as en face de toi leur chef. Quoi? Tu es à la tête de ceux qui ont volé Kraos, tué la reine et kidnappé le bébé? Il ne faut pas croire si facilement tout ce qu'on raconte. C'est souvent très loin de la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas cette histoire qui t'a conduit chez nous, n'est-ce pas? C'est juste. Je suis ici parce que j'ai besoin de Kraos pour détruire le culte d'Akbar. J'ai moi-même essayé d'enquêter sur le culte d'Akbar, ce qui m'a mise en bien fâcheuse posture. Quant à Kraos, nous le conservons ici pour le protéger des voleurs. Je peux te le confier, mais en échange, il faudrait me retrouver un objet d'égale puissance qui serve ma cause. Pourquoi me faire confiance? Je pourrais tout révéler au roi. Pour moi, tu es avant tout la personne qui m'a sauvé la vie. Tu es manifestement aussi le plus grand ennemi du culte d'Akbar. Et nous devrions pouvoir nous entendre. Mais si tu me trahis, tu mourras. N'aie crainte, je ne te trahirai pas. Quel est cet objet que tu veux que je retrouve? Une vieille légende parle d'un objet appelé le bouclier des anciens. Ce bouclier fut enterré avec un grand guerrier il y a de nombreuses années. J'ai envoyé quelques expéditions à la crypte pour le récupérer, mais aucune n'est revenue. Ramène-le-moi, et je te donnerai Kraos. Je vais voir ce que je peux faire pour ramener ce bouclier. Elle a la clé? Elle a la clé de la crypte? Mais je croyais que c'était le chef des gardes du roi qui l'avait. Cette narration de fou! C'est... Wow! Ok, 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 ok. Ok, c'est... Wow! Je m'attendais pas à un tel rebondissement. Narration de fou, voilà, exactement. Ça résume bien le fond de ma pensée, là. Wow! Oh la vache! Et sur la carte, on est où? On est au... Bah, on est au quatrième sous-sol. La bonne blague. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Non, non, mais je... Très bien, bravo. Là, je suis sidéré. Tu vois, ces fameux rebelles ne sont pas si terribles que ça, finalement. Bah, pour le moment, vous ne mettez pas... Quel est ce livre? Les dieux anciens. Ah, d'accord.
t'as ta petite bibliothèque, ma grande. Les règles du Noden, la guerre des mages, l'ordre d'Eranum et l'histoire d'Axe. Ah bah c'est bien. Waouh. Ah bah la torche qui a... Wouh, qui a disparu, dis donc. Avec la magie du démon. D'accord. Oh là là. Cet univers de fou. Bonsoir, Jay. Oh la vache, comment qu'ils se sont installés. Waouh. Bah ça va bien, Jay, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Là, je suis complètement à fond d'Arx Fatalis parce que l'histoire est... Wouh. L'histoire est dingue. Bah... Toi-même. L'autre, il a pas beaucoup de dialogue, hein. Ouais, ça va bien. Bon, c'est cool. Merde, qu'est-ce qu'un rat vient faire? Bon, ça va, il est pas méchant, il m'a pas sauté dessus. Bon, il y a plein de rats. Oui, en fait, c'est pour ça que... Enfin, bon, bref. Je vais peut-être revenir sur les pontons, parce que... L'idée d'être au niveau des marais va pas forcément m'aider. Alors, ils ont quelques vieilles pierres. Ah, c'est ça, la crypte. J'ai un œil sur toi. Alors, pas de coup en douce. Non, c'est nullement mon attention, mais... Ah, ils auraient aussi un accès à la crypte. D'accord. C'est des cellules de prisonniers. Mais non. Je peux dire bonjour. Tu peux m'appeler Red 7. Je m'occupe des armes et des armures dans le camp. Je les vends, je les achète. Ok, t'es commerçant. Merci, mec. C'est bon à savoir. À plus. Ça me plaît bien. Et là, je suis où? Bon, j'ai l'impolitesse de pas fermer derrière moi, mais... S'il vous plaît, vous n'êtes pas autorisé à vous promener ici. Ah bon? Bon, bah désolé, excusez-moi. C'est pas marqué de manière explicite que c'est interdit. Bon, je devine que c'est la caserne planquée des rebelles, là, mais bon, bref. Oh, je suis plus à ça près. Hein. Alors, la suite de la visite. Ok. Ok, ça mène où ça? C'est privé ici. Faut pas rester là, monsieur. C'est interdit. Oh, excusez-moi. Oh là 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 là. Ils sont vraiment pas accueillants, les gars. Ça, c'est quoi ça? Merde. Serrure. Ah, je crois savoir où ça mène. Il y avait une porte comme ça en pierre. J'ai ma petite idée du... Hein? Du... Où est-ce que ça débouche? C'est une sortie de secours pour les rebelles. C'est pas con. Alors, lui... D'accord, il a absolument rien à me dire. Il me méprise. C'est fermé. J'aurais été très surpris que ce coffre me soit offert... Au niveau de son contenu. L'inverse m'aurait... Largement surpris. Alors attendez, là il y a encore, là il y a des rats. Oh la vache. Ok, il y a une enclume pour entretenir son matos. Alors pardon, mais je fais comment pour me barrer d'ici, madame? Ramène-moi ce bouclier et Kraos sera à toi. Il devrait manger quelque chose. Bon. Alors. il va falloir que je ruse là. Parce que si j'ai pas le droit de sortir, je fais comment? Ou alors, il faut vraiment que j'aille là. Vous pouvez pas pousser les mecs, s'il vous plaît. Merci.
Il faut que j'aille errer dans les sous-sols. Oh merde, il y a un crapaud, il m'a fait peur ce con. Là, il y a un rat, mais... Je vois pas d'issue. Attends, là. Ah non, c'est pas une sortie. Ouais, non, ça va. Les rats ici sont gentils parce qu'ils sont bien nourris. Je pense que la plupart des... Ils ont suffisamment de nourriture pour balancer des restes en contrebas. Tiens, c'est qui, lui? Oh, merde! Il a 100 pièces d'or, une potion de soin, une dague et une torche. Eh ben, c'est pas perdu. Mais merde, comment on sort de chez vous, les gars? Alors là, il y a un truc de pas clair. Là, je me suis fait engueuler, je crois. Oui, je m'étais fait engueuler. Et là, je sais déjà plus. Ah oui, c'est le truc dont j'ai pas la clé. Et je peux pas traficoter la serrure de moi-même? Parce qu'au moins, je pourrais me barrer. Oui, je suis prisonnier, ouais, prisonnier. Attendez. Si je fais ça... C'est impossible. Merde, donc j'ai perdu un crochet de passe-partout. Bon, oui, c'est pas au lavage, c'est au le rat. Oui, t'as raison, Jet. Je te donne entièrement raison. Oui, je suis dans le noir. Oui, j'ai pas allumé ma lumière. Non, mais quand je vais passer à Portal 2, je vais activer ma lumière. Le match de Moscou, n'importe quoi. Oh, c'est le fan. Oh là là. N'importe quoi. Ah, le dragon du ciel, oui. Merde! Est-ce que quelqu'un aurait pas la gentillesse, pour ne pas dire l'obligeance, alors pas de coups en douce, de m'indiquer où est la sortie, au lieu de me soupçonner de faire d'éventuels coups en douce? Ah, merdoum! La 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 que sonne déjà. Excusez-moi. Que sonne déjà les 19h. Ah, ça me rend fou, je veux m'évader par la fenêtre. Ramène-moi ce bouclier, et Kraos sera à toi. Bon, j'ai envie de dire... Oh, attends, il y a un truc à faire, là. On voit qu'il y a quelque chose, mais... Qu'est-ce que c'est que ces fleurs sur le côté? Bah merde, alors. J'arrive pas à me faufiler parce que... Putain, on dirait que je peux atteindre le truc au niveau de la végétation. Trop bizarre. Bon, bref. Oui, c'est avec GLaDOS, une scène. Je suis passé à GLaDOS, mais oh, ils sont marrants, eux. Oh, et ils vont quand même pas se faire un petit bisou. Bah alors. Oh là 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 là. Avec ce bug graphique, c'est psychédélique. Bon bah on va se quitter sur ce baiser défendu de deux gardes. Du côté des rebelles. Bon, j'essaierai d'y comprendre quelque chose la semaine prochaine.
Allez, effectivement, je vais allumer la lumière. On va aller voir GLaDOS. GLaDUS.